Bonjour à tous. Quand le bâtiment va tout va, il suffit pas de le dire. Ce sont les emplois qui suivent. Et avec les emplois également, les formations. Des métiers sont pas toujours très connus dans le bâtiment. C'est pour ça que nous franchissons aujourd'hui les portes d'un centre de formation, le centre Gustave Eiffel, pour y retrouver Nicolas Chorin, responsable relations entreprises, référent handicap également, et découvrir avec lui un certain nombre de titres professionnels sur lesquels le centre Gustave Eiffel forme, notamment dans le cadre de reconversion professionnelle. Nicolas Chorin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler donc ces titres professionnels sur lesquels vous formez ces demandeurs d'emploi ces personnes en reconversion professionnelle ? Tout à fait. Nous avons développé plusieurs titres professionnels ce sont des formations reconnues au RNCP, au Registre national des compétences professionnelles, sur plusieurs métiers en tension du secteur du bâtiment. Donc nous formons des jeunes évidemment en alternance en contrat d'apprentissage, mais ce n'est pas suffisant et nous souhaitons aussi former des personnes en reconversion qui ont souvent déjà les codes de l'entreprise et qui s'insèrent très rapidement dans le secteur d'activité. Et donc nous avons développé plusieurs titres professionnels qui vont d'une durée de 6 mois à 12 mois sur notamment les métiers de coffreur-bancheur, d'électricien en équipement du bâtiment, en conduite de travaux aussi, donc il y a également les métiers du management, chef de chantier gros œuvres, et enfin un titre professionnel sur le monteur antenne radio 4G et 5G, c'est pour monter toutes les antennes qui relaient la 4G et la 5G. Alors comment sont pris en charge les frais de financement de ces formations ? Alors ce sont des formations en alternance, donc sous contrat de professionnalisation. Ah ouais. Et donc, gratuite, effectivement, pour les candidats, puisque nous sommes financés par l'intermédiaire de nos entreprises partenaires. Alors, ce qui permet, au-delà de la période en alternance, d'avoir quand même l'espoir relativement fondé pour les candidats de persévérer dans l'entreprise dans laquelle ils auront fait leur alternance. Tout à fait, c'est l'idée. Ce type de formation reste quand même un peu onéreuse pour les entreprises. Et donc, c'est vraiment un investissement pour elles à l'issue des périodes d'alternance. Si le métier plaît bien au candidat et qu'il a donné pleinement satisfaction pendant cette période-là, il y a en général un CDI à la clé. Vous mettez en place une formation de conducteur de travaux en disant, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce sont des postes de management. Donc ça veut dire que ces postes-là sont quand même envisagés de manière évolutive aussi, peuvent l'être de manière évolutive. Tout à fait. Il faut savoir que dans le secteur du bâtiment, on a plusieurs métiers en tension, et y compris les métiers de l'encadrement, donc chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Et donc, tout à fait, c'est un secteur d'activité où il est encore possible d'évoluer avec l'expérience sur le terrain. Ok, c'est le centre Gustave Eiffel. Chers auditeurs, allez voir le site internet et découvrir ces formations qui ont cette particularité, encore une fois, non pas tant seulement d'être en alternance, mais de permettre d'obtenir un diplôme en seulement quelques mois. Et avec le diplôme, également un contrat de travail. Nicolas Chorin, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage formation et je vous souhaite une très belle journée, une très belle fête. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Merci, au revoir.